Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Call of Mobile où on va se faire un petit mode Battle Royale au calme. Alors, c'est que la deuxième fois que je vais en faire un. Après avoir testé plusieurs parties multijoueurs que vous avez vues en vidéo, je vous mets, si vous avez raté, je vous mets le lien en suggestion en haut de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour être averti de toutes nouvelles vidéos, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Et n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. Alors on continue sur un Battle Royale. Alors j'en ai fait un hier, il s'est avéré que je suis tombé avec 4 joueurs, ça s'est super bien passé, puisqu'on a gagné en fait. Donc vous le voyez là, le mode Battle Royale pour ceux qui n'ont jamais joué. Et on peut choisir soit d'être en solo, soit en duo, soit en équipe de 4. Là pour le coup, donc j'avais fait équipe de 4 sans le faire exprès en fait. C'était le mode automatique qui m'avait mis. Là pour le coup, je vais partir en solo. On va voir ce que je vaux en solo. À mon avis, je vais bien me faire déboîter. Mais c'est pas grave, on va bien se marrer. C'est tout ce qui compte. On est parti. Donc je suis passé aussi en mode expert hein, pour le tir. Bien évidemment, j'ai enlevé le mode simple parce que c'est pénalisant. On peut pas tirer à travers les structures. Et sur la partie d'hier, j'ai été tombé sur un snipe. Qu'est-ce qu'on va choisir comme classe? Clown, infirmier, ninja. Pff, ouais, moi j'ai pas d'avis là-dessus. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi je vais prendre le clown hein, ou l'éclaireur. Hein. Allez, l'éclaireur, ça me va. Ça va partir en attendant qu'il y ait du monde. Classique sur un Battle Royale. On démarre, on attend. J'espère que je vais pas mourir dès le début. Je le sens tellement comme ça. Hier, j'étais tellement content d'être dans un groupe de 4. C'était tellement la mort. Et en tout cas, c'était étonnant parce que j'étais vraiment dans un bon groupe et on a gagné directement. Aucun de l'équipe n'est mort, donc ça, c'était propre. On a tous survécu jusqu'à la fin. On était les 4 derniers. Et je sais pas ce qui s'est passé en face, mais on a jamais eu d'équipe face à nous. On avait que des gens qui arrivaient en solo. Donc ça aussi, c'était beaucoup plus facile. Ils se sont séparés, on s'est même pas concerté, on n'a même pas parlé. J'ai jumpé direct dès le départ parce qu'au départ j'avais pas compris qu'on était 4 et les mecs ont jumpé avec moi, c'est étonnant. Mais nickel, à mon avis ils jouaient bien mieux que moi sur le coup parce qu'ils avaient bien plus l'expérience que moi là-dessus. Allez, c'est parti dans 6 secondes, 5, on est 100. En haut j'ai mon compteur, en haut à gauche mon compteur de mort, j'ai tué 0 personne. Je sais même pas si je vais réussir à tuer quelqu'un. Allez, c'est parti, identité, Paleto Gaming, nom de code Renaissance. Opération conjointe militaire mondiale. 10-10-2019, 7h34. Allez, on est parti. Allez, c'est parti, moi je saute direct de toute façon. Voilà, on perd pas de temps. On va aller, je ne sais pas où, tiens, on va aller là-bas. Je vois bien ce hangar. Ouais, mais c'est chaud les hangars. Je vais peut-être viser un petit truc un peu plus isolé là, le petit patelin, la petite baraque là. Allez, vas-y. Est-ce que je peux... Ouais, je vais aller viser la baraque là. Allez. Évidemment, je saute direct là pour aller chercher des items. Est-ce que les portes s'ouvrent direct? Ouais, ça s'ouvre tout de suite les portes. J'avais pas remarqué hier. C'est que ma deuxième partie, hein, faut être indulgent. Ma deuxième partie en Battle Royale. Hop. Une petite arme. Ouais, d'ailleurs, j'étais tombé sur un snipe, ça m'avait bien saoulé. Et j'aime pas cette arme là, elle est toute naze. Il y a pas un truc. Attends, regarde comment elle arrose large l'arme. Allez. Ok, ça c'est pour moi. Ça, je peux pas le ramasser. Voilà, gilet de niveau 1. C'est un gilet de niveau combien, ça? Gilet de niveau 3. Quand même, on est déjà mieux, là. Je le veux. Je le veux. Voilà. Je l'ai pris ou pas? Comment je fais pour le ramasser? Rocky, dégâts sur... Ok, mais je l'ai ramassé ou pas? Bon, j'en sais rien, en fait, si je l'ai ramassé. Je peux le switcher, là? Est-ce que j'ai le niveau 3 a été équipé? Super. Qu'est-ce que c'est que ce petit point rouge là? C'est mon détecteur sûrement. Ouais, j'en sais rien, punaise. J'ai le niveau 1. Il n'y a pas une autre arme, genre une vraie arme, plutôt que ce truc qui carrose à tout va là, ce truc tout naze. Comment je rentre là, là? Allez, ferme la porte. Je dois me faire repérer, mais à 1000 km, tout le monde doit savoir que je suis dans le quartier, quoi. Personne n'est mort pour le moment. Jusqu'ici, tout va bien. Oh là 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 là, j'ai pas envie de sortir d'ici, je vais me faire déboîter. C'est quoi cette fausse arme que j'ai là? Il y a un mec de loin, jamais je peux l'avoir. Et il va falloir que j'aille ailleurs. Hein. Allez, vas-y. On va aller voir s'il n'y a pas autre chose dans un poste de messagerie ou quoi que ce soit. Parce que. Pourquoi il tire? Ah, c'est moi qui ai cliqué sur le bouton. Quel blaireau en plus. Oh là là là.
je fais n'importe quoi là, c'est chaud, je vais bien mourir à mon avis, c'est vraiment 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 tendu. On va bien voir, je vais essayer de monter plus haut, on va voir comment ça se passe. Allez, tac tac. On va essayer de passer sur une autre baraque parce que j'ai pas envie de crever ici là en plein air, ça se trouve je suis tout seul. La zone, elle a pas encore réduite et elle n'est pas annoncée comme réduite. Donne-moi une autre arme. T'as quoi comme arme? Ok, pour l'instant, il n'y a rien. Toujours pas d'arme. À l'étage, il y a quelque chose ici. Je sais pas, donne-moi une arme qui tire un peu de près, un peu de loin. Sur le toit ici, tu mets un snipe et je campe. Non, ça se fait pas. Voilà, ça c'est déjà mieux. Voilà, ça c'est déjà mieux. Ça se trouve, je vais mourir direct avec ça, mais c'est quand même mieux. En tout cas, celui qui me tuera, il va en ramasser des trucs, hein. Parce que là, et toi mon pote, voilà, je sais pas ce que t'as cru que t'allais me tuer, t'aurais pu, hein, parce que là c'était bien chaud, mais en tout cas, c'est pas le cas, un minimum de respect, on est déjà 20 en moins, hein. La zone va se réduire. Est-ce que j'ai cru voir un mec, je me suis pris un coup de stress tout seul. Oh là 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 là. La zone se réduit et je dois être dedans parce qu'il m'indique pas. Oui, je suis en plein dans la zone. C'est tellement bon ça. Est-ce que je vais aller voir ce qu'il y a dans les autres baraques? Ça veut dire que tout le monde va arriver aussi, hein. Enfin, tout le monde. Disons que potentiellement, il y a des mecs qui peuvent venir me rendre visite, me saluer. Donc on va être... Oh, mais arrête de tirer, ça c'est quand je fais le blaireau et quand je clique sur la touche. Comme je suis passé récemment en mode expert, je suis pas encore habitué à avoir le tir comme ça. Bon, je vois pas de mec pour le moment. Je vais pas aller ouvrir la porte, on va attendre un petit peu, on va voir. Bon, on va pas attendre, ça sert à rien de toute façon. On va... Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Celle-là. Elle est pas mal celle-là, hein. On va essayer, on va switcher, on va prendre celle-là. Voilà, ça, c'est un snipe, je pense, non? Oui, bien. Ça, c'est propre. Y a rien là-bas. Non, il y a que dalle. Allez, on switch d'arme, on va aller chercher un peu d'action là. Quitte à mourir, autant mourir. Ah, il y a un mec là. Un peu de chance. Ça fait pas de mal. Moi, j'aime bien la chance. J'aime la chance. J'ai regardé mon radar à cause de la zone qui se réduit et j'ai vu des petits pas rouges qui sont liés à ma classe. Sinon, jamais de la vie, je l'aurais vu le mec. Hein. Jamais, jamais, jamais. Donc, on est bien là. Hein. Donc, l'éclaireur est pas mal quand même comme classe. Le fait de toute façon, il doit tout être bien. L'autre qui peut se heal, ça doit être cheaté. L'autre qui a un drone au-dessus de lui qui l'a attiré, c'est cheaté. Donc, on est bien là. Le truc, c'est qu'on est bien dans la zone et j'ai pas d'intérêt à bouger de cette zone là. Donc, je me demande si. Ouais, je me demande si je bouge ou pas. Qu'est-ce que je fais? On voit. Je suis quand même pas mal. Je pourrais aller vers le centre. Je pourrais aller par là pour aller chercher du combat. On est 55. Allez, je peux aller par là pour chercher du combat. Je dis pas de B. Ouais, voilà. Je vais me rapprocher du centre où il y a écrit farm. Mais c'est chaud parce que je m'expose grave là. Donc, plus je m'expose, plus c'est chaud. Il n'y a pas besoin d'avoir fait ma sup pour le comprendre, ça. Ça se bat. Ça meurt. Je me mettrai bien là. Je suis sûr qu'il y a des mecs qui vont essayer de passer là. Il y a un pont, il y a quelque chose avec des bâtiments. Ok. Il n'y a pas des mecs qui cherchent à camper là que je pourrais déloger. Avec un petit snipe. Mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, je fais n'importe quoi quand je clique sur ce bouton-là. Je suis pas encore vraiment pas du tout habitué, hein. Et en plus, je me fais remarquer quand je fais ça. Comme un as, je vais me prendre un coup de couteau, je vais pas comprendre ce qui se passe. Bon.
Y a quelque chose là? Non, y a rien. Y a rien, y a rien, y a rien. Putain. Allez. Ça se bat. J'entends tirer, je sais pas d'où ça vient. Allez, on va y retourner parce que de toute façon, je m'endors là. Donc, on va pas rester là à attendre que la mort vienne nous chercher, hein. On n'est pas comme ça. Nous, on aime la bagarre. J'ai cru voir un mec en bas là, mais j'ai dû rêver. Un mec qui longeait la colline. Je pense que j'ai rêvé. Ouais, j'ai rêvé de ouf. Ou sinon, il va me tomber dessus et il va me déboîter. On est plus que 39. J'ai pas vu grand monde. J'ai vu deux mecs. Les deux sont morts. On va traverser le pont. Ça se trouve, c'est un guet-apens. Il y a un sniper. Enfin, le pont. On va passer entre les deux bâtiments. Ça se trouve, c'est un guet-apens encore une fois. Et il y a un mec qui va m'attendre. Donc, je vais voir si je peux longer sur le côté. Je vais longer. Ouais, ça passe par là. Donc, on va passer par là. Toujours plus sécure. Largage aérien imminent. Je m'en tape du largage aérien. Hop. Pour intégrer la zone, faut passer par là. C'est vers le largage aérien. Ouais, non, c'est vers la zone qui est réduite. Hop, allez. La zone de sécurité va se réduire dans 2 minutes. Ben ouais. Hein. Y en a un, c'est. Ah, ok, il y en a un, c'est le largage. Ah, je suis hors zone maintenant, c'est mieux. Ouais, on voit le largage aérien là-bas, j'imagine. La petite lumière rouge, mais c'est que là-bas tout le monde va y aller. Ça va être une boucherie. Allez, allez, allez. On est, pour l'instant, on est toujours serein. Faut pas trop. Pas trop serein. 28 sur 100, c'est chaud. Les modes survival, là, comme ça, là, les Battle Royale, ça me met toujours en stress. Il y a un mec, là. J'ai cru voir que la porte, elle venait de s'ouvrir, mais encore une fois, à mon avis, c'est dans mes yeux que la porte, elle vient de s'ouvrir. Elle s'est ouverte rien du tout. Enfin, elle a été ouverte, mais il y a déjà fort longtemps. Un mec qui devait être full parce qu'il y avait plein de choses encore au sol. Allez, on va passer tranquille. Ah, il y a un mec derrière moi. Il y a un mec derrière moi. Il y a un mec derrière moi. Il y a un mec là. Il y a un mec là. Il y a un mec là. Oh là 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 là. Eh, la classe éclaireur, je vais prendre que ça. Hein. C'est une classe de ouf. Je sais. Pff, eh, mais j'ai de la chance de dingue. Hein. Franchement, là, j'ai fait 3 kills, mais 3 kills de chance. Hein. Faut être réaliste. Hein. Faut pas que je me prenne pour un PGM. Hein. Vraiment. C'est chaud. C'est chaud. Et en équipe, c'est quand même un peu moins le stress parce que comme on se répartit à 4 quand on est en équipe, on se dit que c'est un peu moins chaud. Je vais faire un petit break là parce que sinon je vais faire une crise cardiaque. Il y a un mec. Il y a un mec qu'on va switcher au snipe. Il y a un mec qu'on va switcher au snipe. Où t'es petit? Petit, petit, petit. Où c'est qu'il est passé? Où c'est qu'il est passé? Est-ce que je suis Miro? Est-ce que vous le voyez? Putain, il est où? Là-bas, il y en a un autre là-bas. Là, là, là. Je le touche pas, punaise. Allez, eh, je suis super lent à tirer. Hein. Et le mec, il a disparu. Super. Magnifique. J'ai été tellement lent à tirer, de toute façon, c'est tout ce que je méritais. J'ai encore du mal à bien viser. Et à tirer parce que faut que je switch. Donc je suis pas encore switch. Non, faut pas que je switch, mais faut que je lève le doigt pour appuyer. Vraiment, j'aurais pas dû commencer en mode simple. Hein. J'aurais dû directement commencer avec ce mode-là. Parce que c'est quand même plus efficace. Y a pas à dire. Mais là, j'ai pris des sales habitudes en commençant le jeu. Donc j'ai hésité à me mettre directement en mode avancé parce que je savais que j'y passerais. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mec juste à côté de moi là. Il doit avoir un pare-balles, c'est pas possible.
Ah, quand même! Oh, c'était chaud! La dernière balle. Et je passe le mur en plus, hein, ça m'a. J'ai perdu de la vie, hein. C'est ça qui me coûtait de la vie en fait. C'était. Je sortais de la zone là, parce que la zone est juste là. Et ça a été très très chaud. J'ai vraiment, vraiment, vraiment eu de la chance là. On est encore 4. Je suis dans la zone, mais elle va encore se réduire. Il va falloir que je bouge, hein. J'aime pas ça! J'aime pas ça! 130 mètres, 1 minute 26. J'ai pas envie d'y aller. Finaise. Je le sens bien, un vieux gars dans mon dos là qui va arriver. L'autre, il me tourna autour et je me suis dit, il va me mettre un coup de couteau comme un vieux rat. Regardez la belle zone bien déserte là. J'ai cru voir un mec à gauche. Il y a un mec là-bas. Non, c'est l'arbre qui. C'est du. Ok. C'est la texture qui bouge. Là-bas, il y a un mec en tout cas. Là-bas, il y a un mec. Bouge, arrête de bouger, arrête de bouger, arrête de bouger, arrête de bouger. Arrête de bouger! Je te dis, arrête de bouger, arrête de bouger. La zone se réduit. Ça commence à devenir chaud. Ils sont où, punaise? Je veux pas mourir. Personne n'a envie d'aller chercher la caisse? Personne n'a envie de tenter là, la petite caisse là? Un courageux? Ou un suicidaire? Allez. Allez, 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 petit, 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 petit. Moi, j'ai pas envie d'aller au milieu, là, je vais prendre un coup de snipe. Parce que je dois pas être le seul à attendre. Bon, il va falloir que je me décale de toute façon, parce que la zone se réduit. Et je vais passer hors zone, donc je vais descendre tout doucement. Voilà. Il y a quelqu'un par là-bas ou pas? Je suis pas encore. Je suis toujours hors zone là. Toujours, 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 toujours. Est-ce que je suis hors zone là? Ah, je crois que je suis dans la zone là. Hein. Je crois que je suis dans la zone. Non. Ah oui, j'y étais, mais j'étais en train de crever quand même. Bon, on va s'accroupir ici et on va voir si on est bien dans la zone ici. On n'est plus que 3. Donc là, les autres, ils doivent être dans un bâtiment comme moi. Ils doivent être en train de mater comme des oufs. Pour l'instant, il n'y a rien. Je ne vois rien. J'ai pas de trace de pas sur le radar. La zone va encore se réduire dans 1 minute. C'est chaud. J'ai envie de changer d'arme. Au cas où je tombe sur un mec au corps à corps. Parce que là, on commence à être vraiment, vraiment dans des toutes petites zones. Donc la probabilité que je croise un mec de près. On va faire le tour par là. Hein. C'est chaud. Je me dis que l'autre que j'ai tué au snipe là, il était quand même en train d'être accroupi là. Donc il devait avoir entendu quelque chose. Il se serait pas mis là sans raison. Hein. Il serait pas allé se mettre, se coller comme ça. Essayer de se cacher. Si il avait pas vu quelque chose, en tout cas à ce niveau-là. C'est chaud, hein. Là, j'ai vu des pas, j'ai entendu des pas sur le radar. Vous les avez vus vous aussi? Là, vous les voyez? Il y a un mec dans la baraque là. On voit le mec dans la baraque. Il y a un mec là. 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 Il a fait le tour. Là, je l'ai vu. Je l'ai vu plein de fois.
C'est moi qui mérite de gagner. 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 C'est pas toi. Oh là 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 là. J'ai fait n'importe quoi. Je cliquais comme un dingue sur par le stress. Et on a gagné cette battle royale. Bon, ma première battle en solo, première victoire. C'était super chaud. Je sais pas, vous avez vu là à la fin, je cliquais sur. Et en fait, ça zoomait en même temps et je relâchais parce que je voulais juste appuyer comme un dingue. Je sais pas si on m'entendait taper sur la tablette là. Bon, ben on a gagné. 7 minutes 52. Non, 7h52. Vainqueur. C'était ultra chaud. J'étais en stress de dingue. En plus, je peux pas vous décevoir. J'étais obligé de faire quelque chose de bien là. Peut-être pas un top 1, mais essayer de faire quelque chose de crédible. Bon, ben, c'est cool. C'était une bonne partie. J'ai trouvé ça aussi sympa que la partie à 4. Faudrait que je teste en binôme ou à 4, mais en 4 en équipe. J'en ai ajouté pas mal d'entre vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'ajouter en tant que Camille, hein, Patate ou Gaming. Vous m'ajoutez, j'accepte volontiers. Ça nous permettra de jouer ensemble, de faire des escouades. 7 éliminations, je sais pas si c'est un bon score ou si c'est standard ou si c'est tout naze. N'hésitez pas à me dire vos scores, à m'envoyer des screens, c'est toujours intéressant à voir comment ça se passe. Si vous avez des astuces aussi, dites-les moi en commentaire, certains l'ont déjà fait, hein. ça m'aide à m'améliorer. Je reste novice 1, on m'a déjà dit qu'il fallait pour changer de niveau déjà, il fallait faire des matchs rankés, etc. Bon, c'est vraiment cool, grade plus 92, niveau supérieur, on passe au 14, oh là 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 là. Une battle royale de dingue. Je suis bien content d'avoir gagné. Ok, non, rien à signaler. Cette icône il m'a trigué là-haut. Plus 5704 XP, c'est super. Bah voilà, bah écoutez, première battle royale, premier top 1. C'est hier, pareil en groupe. On va croire que la chance sourit aux débutants. Ah, ça fait du bien d'avoir gagné. Écoutez, j'espère que cette partie vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus.